Et c'est parti! C'est parti pour 5 tours sur Suzuka. Et attention au premier virage. Deux premiers virages avant les S. C'est toujours un endroit très délicat. Et ça passe sans encombre, bravo. On aurait pu s'attendre un peu plus à Nick Roche pour une course sprint. Pour l'instant, ça démarre. On démarre très bien. Steve Cossi Vince. Et très mauvais départ par contre de Jova. Il est 5, Jova. Il a perdu 3 places. Le pilote de la Uni Compétition. Jova qui va tenter de passer cette quatrième place. Alors attention de reprendre cette quatrième place. Attention à l'épingle. Il essaie de faire l'extérieur sur Sully. Voilà, il est 4. Bien joué de la part du pilote belge. Alors devant, ça creuse déjà l'écart. On a déjà 5 dixièmes entre Steve et Cossi. 7 dixièmes entre Cossi et Vince. Sully 5ème, le Duc 6, 7ème Mikado, 8ème Bouya, 9ème Doc, 10ème Moto, 11ème Lex, 12ème Haru, Servet 13ème et Dims 14. Allez, il est arrivé à la chicane. Grosse pénalité déjà pour Vince, hein. 3 secondes et demie. Et attention, là ça se dispute. Avec notamment Sully qui est hors trajectoire par rapport à ses concurrents en direct. Septième, juste devant son coéquipier Bouya. Et attention devant. Oh, attention derrière. Le Duc Mikado. Sully. C'est très très chaud. Attention. Attention au contact. Attention au contact. Et attention à l'arrivée dans l'épingle. Oh, il tente l'intérieur, Sully. Et du coup, Bouya en profite. Attention, attention. Beaucoup de contact là. Elle est arrivée dans Spoon. Et pour l'instant, eh bien Mikado qui fait qui pour l'instant tient tête à tous les pilotes derrière lui. Elle est arrivée dans le 130R. Attention messieurs à la chicane. Ouais, le contact Doc Bouya. Pas de dégâts hein, pour Doc. Et pas de dégâts non plus pour Bouya.
Alors qu'un pilote est en difficulté. Oui, c'est Mikado sans doute. De la Belgian Spirit Racing. L'instant 6 toujours en tête avec une seconde 3 d'avance, une seconde 4, l'écart qui ne cesse de se creuser entre lui et Cossi, deuxième, troisième Vince, Giova 4 qui va tenter de revenir, d'aller chercher ce podium. Cinquième Le Duc, sixième Bouya, Doc 7ème, Sully 8, Lex 9. Ça continue à se chamailler hein, entre Gold Team Racing et GTWGP. Sully est parti super à l'extérieur là. Et il est maintenant sous la menace directe de Lex. Compliqué pour Sully de garder cette place. Oh, il est à l'extérieur. Aïe, attention, il va dans l'herbe. Et derrière, ça revient fort. Ça revient fort, Sully qui va être dépassé. Voilà qui est fait par Dims. Et sous la menace directe de Mikado maintenant. Derrière, c'est Mikado. Hein. C'est Mikado qui est parti à l'extérieur. Ouais, Mikado, il est très loin. Il est 12 maintenant. Il est parti à l'extérieur à l'épingle. Il va peut-être être dépassé par son coéquipier à roue. Ouais, qui est fait. Alors que pilote est en difficulté derrière encore. C'était peut-être celui qui était parti à l'extérieur. Ah, c'est Moto. Visiblement, c'est Moto. Il est 13ème, Moto. Alors que devant, Steve est très en avance. Sur Cossi, 2ème. Giova, il passait 3. Et Vince, en plus, a une grosse pénalité. Il va falloir qu'il la purge, Vince. Parce que là, c'est Le Duc qui passe. Hein. Et peut-être pas tout seul. Bouya également peut passer devant lui. Et c'est le dernier tour. Ah, c'est là que ça peut jouer. La quatrième place peut-être. Le podium sera sans doute celui-ci. Steve Cossi, Giova. Mais attention, derrière ça peut tout changer. Les 3 secondes 4 de pénalité de Vince qui peuvent tout changer. Le Duc pourtant pour l'instant 5ème, Bouillasse pour l'instant 6ème, Doc 7ème, 8ème Lex, 9ème Dim, Sully 10. Les coéquipiers Haru, Mikado 11 et 12. 13ème place pour Moto.
Et la 14e place pour le pour Servet, qui s'est lancé de cette dernière place tout à l'heure. Ah, c'est pas terminé, moto encore embourbé. Et du coup Servet qui passe 13. Allez, le passage dans Spoon pour Steve. Tranquillement, il va pouvoir se diriger vers une première victoire ce soir. Cossi, deuxième. Et Chiova, 3. Vince qui ne perd pas pour l'instant de temps, qui n'arrive pas à purger cette pénalité. On va voir ce qui va se passer sur la fin de course. Le Duc, il est à 2 secondes 7 pour l'instant. Et Bouya, une seconde derrière. Est-ce que Vince ne va pas passer sixième du coup? Et la victoire pour Steve, la Belgian Spirit Racing. De la Belgian Spirit Racing qui remporte sa première course. Cossi deuxième, Giova 3. Et voilà, c'est là que ça va jouer. Et Vince qui n'aura sans doute pas eu le temps. Ouais, il passe 5 Vince. 7ème Doc, 8ème Lex, 9ème Dims, 10ème Sully, Haru. 11e, 12e, Mikado. Servet 13 et Moto 14. Voilà le classement de cette course numéro 1. Et donc la victoire de Steve sur cette première course avec les 3 étoiles. Pôle, record et course sans accident.